Je m'appelle Marat Aquin et je... je joue Claire. La ruche, c'est l'histoire d'une mère et ses trois filles dans un appartement. Il y a un trouble qui conditionne en fait ces quatre femmes, c'est les troubles de bipolarité d'Alice. Parfois, elle est fragile. Elle n'est pas fragile, Marion. Elle est malade. Pour moi, c'est l'histoire d'une famille, d'un cocon, dans lequel tout est maintenu et contenu, et il y a autant des moments de joie que des moments de déchirement entre les personnages, entre les sœurs. Ça partira jamais. Aide-moi. En fait, c'est une famille remplie d'amour inconditionnel, mais qui est trahie par un trouble qui atteint de façon différente sur chaque personnage ses caractères qui sont bien différents, parce qu'on est tous des êtres différents. Ici, évidemment, on traite de la bipolarité, mais ça peut être de la maniaco-dépression. Donc, comme je le dis souvent, c'est que le corps de l'enfant est fait du bruit des parents, c'est-à-dire que nous portons, en tant qu'enfant, le souci de nos parents et qu'aujourd'hui, c'est bien de pouvoir mettre des mots dessus et que ces enfants puissent dialoguer là-dessus. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes des rocs.